Il existe différentes situations où vos compagnons vous sollicitent. En effet, quand vous rentrez du travail, votre chien ou votre chat, quand il se frotte dans vos jambes, ne demande pas forcément de la nourriture. Il peut vouloir de l'interaction ou jouer avec vous. De la même manière, les repas sont souvent source de distribution de friandises parce que votre chien est à côté et il vous sollicite. Soyez vigilant. Toutes ces interprétations sont des fois erronées et on répond trop souvent par une solution nutritionnelle qui, là aussi, prédispose au surpoids. Comment répondre à ces sollicitations? Sachez que votre compagnon cherche de l'interaction à laquelle vous pouvez y répondre par des caresses ou par du jeu. Lui détourner son attention sur une séquence de jeu de balle, par exemple, permet de répondre autrement à cette sollicitation que par une réponse nutritionnelle.